Non, pas du tout. Non, ça me dit rien. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, rien du tout. Je sais qu'il y a quelques années, ils avaient distribué des flyers qui étaient plutôt éloquents à la cafette, mais je n'en sais pas plus du tout. Le SFC, c'est Student for Christ. Donc SFC, S Student, F for et C Christ. Donc voilà, étudiant pour Christ, si on peut le traduire en français. Et c'est comme ça. C'est un groupe de jeunes. La plupart sont des chrétiens. Le mouvement SFC n'est pas nouveau. Fondé dans les années 1940 aux États-Unis, il s'est implanté il y a une dizaine d'années à Liège. Situé dans un premier temps en Outre-Meuse, les SFC se réunissent désormais tous les mardis soirs à l'université. Mais quel est le but de ces réunions ? Les réunions consistent tout simplement à parler un petit peu des dieux, à se questionner sur Jésus, à voir un petit peu... à étudier tout simplement la Bible, quoi, et à créer des liens forts d'amitié. Et sinon, je voudrais vous dire quand même, bienvenue à vous tous, bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre. Et je vois qu'il y a des nouvelles têtes, donc celui qui sait qu'il est là pour la première fois, est-ce qu'il peut simplement s'identifier avec toi et dire... Juste pendant un petit moment, qu'on puisse tous ensemble prendre du temps pour bénir le nom du Seigneur Jésus. Père éternel, je te remercie encore pour ce moment. Seigneur, c'est vrai, c'est vraiment un privilège que tu nous accordes de pouvoir vraiment te connaître, Seigneur, et de t'adorer, Seigneur, en ce lieu. Père éternel, tu es vraiment notre force, Jésus. Même quand nous n'avons plus de force, quand nous ne savons plus marcher, nous ne savons même plus nous mettre debout, Seigneur, tu nous tiens la main, Seigneur, et tu avances avec nous. Merci, Père éternel. Dans le passé, il y a eu cette approche aussi. Il y a eu cette approche où des fois, on profite quand il y a des activités quelque part où le SFC a un stand, où il est représenté, on parle des gens du SFC. Et dans la vie de tous les jours, on parle de nos amis, à des personnes qu'on rencontre, on leur parle du SFC. Et c'est comme ça que le message passe. On a un site, on a un compte Facebook, voilà. On essaye de faire passer les messages, de se faire connaître avec tous les moyens qu'on a, avec tous les outils. Même aller à la cafette, parler des gens. Oui, dans le passé, on a fait. Et je pense qu'on le fera aussi. Et on compte le faire. Pas seulement à la cafette, mais dans des activités des étudiants, dans des fêtes, des trucs comme ça. Parce que voilà, on n'est pas fermé et on voudrait faire partager à d'autres ce qu'on vit. Malgré cette ouverture d'esprit affichée, les SFC peuvent apparaître comme un cercle un peu fermé aux yeux du grand public. Contrairement à une secte, on est complètement ouvert. Les gens peuvent venir vérifier quand ils voudront. Notre base, c'est la Bible. Les buts, en tout cas, c'est de partager quelque chose. Partager quelque chose d'essentiel, en tout cas pour nous. Quelque chose... qui nous a, on va dire, quelque part transformé. Quand on voit plus du tout les choses de la même manière, et on s'est dit que ce serait vraiment égoïste de limiter ça qu'à nous.
Et donc, on s'est dit, ben, on va essayer de toucher les gens, essayer de toucher nos amis. Et comment... Et en fait, le but, c'est pas, on n'a pas du tout organisé des concours où il y aura un gagnant, etc. Outre les réunions hebdomadaires, les Students for Christ organisent plusieurs activités. Parmi celles-ci, le Talent Show, variation de l'incroyable talent à la sauce SFC. Ton esprit murmure en moi que je suis libre, libre de chanter. La lumière à mes pieds, une lampe sur mon sentier, la parole pour me guider, non les pensées pour m'embrouiller, le combat continue jusqu'à me grouiller. Et deux fois par an, il participe à la journée United Around the Cross, au cours de laquelle différents cercles chrétiens de Liège se réunissent. S'élève vers toi Seigneur. Dans ta présence, les vies brisées sont restaurées. L'SFC, ce n'est pas du tout une religion. Hein. Ça part du principe qu'on croit en Dieu, qu'on croit en la Bible et qu'on veut partager les valeurs bibliques dans le milieu de l'Église. Moi, pour moi, ça n'appartient pas à une église, même une église évangélique quelconque. Non, pas du tout. C'est juste les jeunes qui partagent la même foi en Dieu et qui veulent partager cette foi autour d'eux. Le SFC n'appartient pas à une église, ok? Donc du coup, quand vous arrivez dans le groupe SFC, vous retrouvez des personnes qui fréquentent différentes églises, quoi. Ils viennent un peu de partout. Les églises ne sont pas dans les universités. Donc, du coup, ceux qui sont dans des universités, c'est ceux qui vont à l'église. Ça peut être soit des professeurs ou des étudiants ou des travailleurs qui sont là. Donc, en même temps, on est entre guillemets les personnes chez lesquelles, s'il y a des questions, s'il y a des points de vue qu'on ne comprend pas sur le christianisme, ben, on est personne. On est une référence, quoi. Ils peuvent nous poser des questions, ils peuvent parler avec nous, discuter avec nous. Il faut déjà qu'on se pose la question, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi est-ce qu'on a plus les Africains que les Européens? Ça, il faut qu'on réfléchisse dessus. On est même en train de réfléchir dessus. Mais il y a quelques causes que je peux aussi évoquer. La première, c'est savoir que généralement en Afrique, tout le monde croit en Dieu. Même si on ne pratique pas vraiment, mais on croit quand même qu'il y a une force supérieure. Un Européen qui ne croit pas du tout en Dieu, qui a été élevé par des parents athées, qui ne croit pas du tout en Dieu. Et quand on va causer avec ce genre de personnes, au premier abord, ça sera, on va se buter à un mur. Je pense que la première chose, c'est d'abord les cultures qui sont très différentes et ça, c'est vraiment un obstacle pour nous. En fait, pour finir, moi, je suis vraiment content de faire partie du SFC et je suis content également de
du fait que vous ayez eu à cœur aussi de, de venir un petit peu voir ce que c'était l'ESFC. Donc en fait, on avait vu les propositions, on en a un petit peu discuté. Au départ, on était un petit peu sur les... on se disait, oui, mais ils veulent faire un reportage et tout. Si ça se trouve, ils pourraient nous faire passer pour une secte. Enfin, on avait un petit peu cette crainte-là au départ. Comment ça se fait qu'il y a des gens dans les siècles présents qui croient encore en Dieu? On se pose toutes ces questions-là. Et donc, quelque part, on est limité. On se dit, non, il faut pas trop en faire, parce qu'ils vont pas trop comprendre. Il faut être les plus light possible. Et puis après, on se dit, mais non, faites comme vous les sentez. Après, de toute façon... Ce sont des personnes intelligentes, elles vont voir, quoi. Elles vont voir.